Bonjour à tous, c'est Damien. Aujourd'hui c'est samedi et le samedi j'essaie de vous faire découvrir quelque chose de différent. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du Fujifilm X Magazine. Alors je sais pas si vous connaissez, mais Fujifilm sort régulièrement un magazine à son nom propre. Donc c'est un magazine qu'on peut consulter gratuitement sur internet. Moi je le lis à chaque fois. Donc là c'est le numéro 20 qui vient tout juste de sortir. Et je voulais un peu vous le présenter, peut-être que vous ne connaissez pas. Donc ce mois-ci c'est sur l'univers du voyage, ça va traiter principalement donc de la mises à jour qui viennent de sortir sur le X-T2 et sur le X Pro 2. On voit des photos de lecteurs, bon c'est comme d'habitude, c'est des magazines qui sont censés être inspirants, montrer des jolies photos, et vous parler des boîtiers et des objectifs. Donc ça, il n'y a pas de découverte là-dessus. Donc vous voyez, c'est un magazine interactif. Donc là, au sommaire de ce numéro-là, comme je vous disais, les mises à jour, les boîtiers, donc c'est tout tourné autour d'un photographe indien qui va vous partager les photos. Il y a certains photographes qui vont vous dire quelles fonctions nouvelles apportées par les mises à jour sont utilisées, qu'est-ce que ça leur apporte. Donc je vais pas, comme d'habitude, hein, je ne le lis pas à votre place, je vous montre juste un peu à quoi ça ressemble. Donc les mises à jour que Fuji vient de sortir, après on peut poursuivre et voir photographe par photographe, donc au mariage, en sport, etc., en rue, qu'est-ce que ça leur amène ces mises à jour là. Donc ensuite on a un entretien avec un grand photographe indien, qui est quand même sympa à lire je trouve. Avec des jolies photos, voilà, le but c'est toujours pareil, de vous inspirer. Rencontre au Japon. Donc toujours pareil avec un photographe qui vous partage de jolies photos du Japon. Enfin des photos de lecteurs que vous pouvez découvrir aussi dans le magazine. Vous pouvez leur envoyer vos propres photos pour être publiées dans le prochain numéro. Donc ça c'est sympa. Si vous cherchez une exposition, des techniques photo. Là par exemple il vous montre 7 techniques narratives à appliquer en voyage. Donc voilà, je vous laisse vous regarder, mais c'est 7 conseils de voyage, toujours avec des belles photos, c'est toujours bon à prendre. Un guide technique, donc là c'est l'optimisation, donc c'est toutes les mises à jour qui sont prévues. Et enfin un test du X100F, vous imaginez, ils vont le trouver dramatiquement mauvais sur Fujifilm X Magazine, c'est clair. Et enfin un petit jeu concours toujours sympa à prendre si vous aimez ça, pour gagner 1500 € à utiliser sur du matériel Fuji. Voilà, je vous mets le lien comme d'habitude en bas dans la description. Si vous voulez aller le voir, ben vous ne perdrez pas votre temps. Moi, je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, c'est fini. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Faites des belles photos. Si vous venez de découvrir la chaîne, ben, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à lundi dans un nouvel épisode. Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser, ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour